Et Guillaume est encore là. Et il a eu chaud. Guillaume, toujours dans le diagnostic immobilier, habitant Villefranche-sur-Saône, et il aime sa région, le Beaujolais, il aime la littérature aussi, le théâtre classique, il va jouer pour une quatrième victoire. Et je pense à la cagnotte, très grosse cagnotte, record en ce moment. Peut-être une quatrième victoire ce soir, mais Marie-Claude a l'air costaud, très solide. Bravo Marie, une ancienne gérante de chambre d'hôte, elle est bénévole dans une médiathèque, et elle s'occupe de clubs de jeux, elle a notamment le club de jeux, elle est secrétaire dans ce club de jeux, question pour un champion, Bayonne. Elle habite Sainte-Marie de Gosse. De Gosse, dans les Landes. Oui. Dax, Bayonne, pas très loin. Sur l'Adour. Oui. Marie-Claude, Guillaume. 20 secondes pour répondre à chaque question. C'est un jeu que vous allez jouer en 15 points. Premier qui arrive à 15, champion ou championne. Et cette cagnotte qui augmente de jour en jour, 60 200 euros. 5 victoires consécutives pour décrocher cette belle cagnotte. C'est parti. Gastronomie. Première question. Pour vous, que dit Marie-Claude ? Je prends la main. Il s'agit d'un encas dont le nom, attesté dès 1918, est à l'origine un mot composé invariable. Je suis couramment servi dans les cafés et les brasseries depuis ma création en 1910 dans un café parisien. Oui, oui. Le hot dog ? C'est non. Top doré sur les deux faces, dans une poêle ou sous le grill. Je veux également être nappé d'une béchamel aux gruyères. Oui. Un croque-monsieur. Bien joué. Croque-monsieur. D'accord. Troisième. Sciences et techniques. Le candidat. Je laisse la main. Expérience ludique réalisée par un jeune garçon dans un tableau d'Édouard Manet, daté de 1867. J'illustre les propriétés des tensioactifs à faire le lien entre milieu gazeux et liquide. Oui. Les bulles. La bulle, exactement. Une sphère pouvant geler vers moins 15 degrés, formée d'un film d'eau savonneuse rempli d'air, une bulle, bulle de savon, égalité. Musique. Question musique. Je prends la main. Compositeur russe, né en 1840. J'ai pu, durant plus de 10 ans, créer en toute liberté grâce au soutien d'une riche veuve que je n'ai jamais rencontrée. Auteur d'une œuvre fortement imprégnée des influences occidentales, j'ai composé une dizaine d'opéras, Eugène Onéguine, La Dame de Pique, ainsi que 6 symphonies dont La Pathétique. Oui. Là, ma passe. Non, mais je suis également célèbre. Oui. Moussorski. Moussorski, c'est non. Top pour le lac des cygnes, Casse-Noisette. Oui. Tchaïkovski. Voilà, d'accord. Oh, ça me rend les poings. 5 à 3. Santé, médecine. Vous suivez ces deux candidats avec passion, notamment le parcours de Guillaume. Et je laisse. Partie du corps humain qui fut mise à l'honneur du 16 au 22 mars dernier, je comprends entre autres le trou de Monroe, le cigulum, le pallidum, assurant une importante fonction de contrôle. Je suis formé de substances grises et de substances blanches. Je suis composé de deux hémisphères réunis. Oui, oui. Le cerveau ? Ah oui, cerveau, d'accord. Partie supérieure de l'encéphale, constituant le siège des facultés intellectuelles. C'est le cerveau, bien sûr. 6 à 5. Une femme célèbre. Ça, c'est pour vous. Oui, je prends. Une femme célèbre, née en 1480 à Rome. J'ai été mariée à 13 ans avant de contracter un mariage politiquement plus favorable et heureux avec Alphonse d'Aragon, qui sera... Oui, oui. Marie de Médicis. C'est non. Top, qui sera tué à l'instigation de mon frère. Belle et intelligente, je fus chargée par mon père, le pape Alexandre VI, de délicates missions politiques. Protectrice des arts, sous mon impulsion, la cour de Ferrare devint un centre d'intense activité artistique. Plus célèbre des femmes de la famille Borgia. Lucrèce Borgia. Sport. Et que dit Guillaume ? Je laisse. Quel est ce rituel sportif exécuté depuis 1905 ? J'ai inspiré au chorégraphe français Angela Peljokave une version artistique. Interprétée, oui ? La haka. Très bien, le haka, exactement.
Vous laissez là-bas. On sait jamais. Parce que là, vous l'aviez au même moment, bien évidemment. Sûr. Le haka. D'accord. Rituel maori que les rugbymen néo-zélandais entonnent avant chaque match international. Haka. 9-6. Ah. Je prends la main. Quelle est cette œuvre créée vers 100 avant notre ère, découverte en 1820, j'ai été offerte à Louis XVIII par l'ambassadeur de France à Constantinople. Innovant par ma composition hélicoïdale et le glissement du drapé sur mes hanches, je suis une statue en marbre dont les différentes parties ont été travaillées séparément. Statue d'une déesse au buste nu, dont les bras sont... Oui. La Vénus de Milo. Bien sûr. Dont les bras sont manquants, découverte sur une île grecque de la mer Égée, aujourd'hui exposée au Louvre, la Vénus de Milo. Très bien. 9-7. Cinéma. Cinéma pour Guillaume. Je laisse. Film, film français. Sorti fin 2001, je mets en scène un couple de quinquagénaires, Paul et Edith Goetz. Comédie dans laquelle Éric Berger incarne leur fils, un étudiant qui... Oui. Tanguy. Ah oui, Tanguy, très bien. Deuxième erreur. Je ne l'avais pas encore. Vous ne l'aviez pas à ce moment-là. Sans regret. Châtillé et film d'Étienne Châtillé avec André Dussolier, Sabine Azéma, Tanguy, d'accord. 13-7. Animaux. Question animaux, la décision de Marie-Claude. Je prends la main. Un type d'abri dont le nom dérive de l'ancien français signifiant rempart. Je veux être utilisé par des manchots, des mygales ou par des macareux, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures dont le diamètre est en général adapté à la taille de mon occupant. Je suis construit par les animaux fouisseurs pour y vivre, pour hiberner, protéger, accueillir les petits. Trous, galeries creusées dans la terre, oui. Le terrier. Vous dites ? Le terrier. C'est oui. Bonne réponse. Le terrier. Et religion. Religion pour Guillaume. Je prends. Ta créature immatérielle à laquelle l'évêque François Destin consacra une chapelle dans la cathédrale de Rodez. Oui. Les anges. Complétez. Les archanges. Les anges gardiens. Je réponds non. Et là, ma passe. Et là, là, Guillaume risque très gros. Badre Pio recommandait à chacun d'avoir une pensée pour moi. Être céleste, dont le concile de Reims a institué la fête le 2 octobre, oui. L'ange Gabriel. Vous dites. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Je réponds non. Ma tâche consiste à protéger, à conduire le fidèle auquel j'ai été attaché, à intercéder pour lui auprès de Dieu. L'ange gardien ? Oui, l'ange gardien, voilà, exactement. Okay. Vous commencez par ange, ouais. Je dis complété. Vous dites ouais. Archange, ouais. Je dis non. Bien sûr. L'ange gardien. 13-11. 13-11. Marie-Claude littérature. Et là, nous sommes... dans votre jardin. Tous les deux, d'ailleurs, littérature. Je prends la main. Œuvre publiée en 1943, c'est à Long Island que mon auteur me rédigea alors qu'il séjournait aux États-Unis, traduite depuis en plus de 200 langues et dialectes. En 1993, mon héros et mon auteur étaient représentés sur les billets de 50 francs. Racontant... Oui. Antoine de Saint-Exupéry. Vous dites. Répétez. Ah non, l'œuvre. Le Petit Prince. C'est non, de toute façon, c'est non. Top racontant la rencontre d'un pilote d'avion tombé en panne dans le Sahara avec un étrange, oui. Le Petit Prince. Exactement, terminé, et c'est gagné. Victoire de Marie-Claude, 15-11. On s'embrasse. On se congratule quand même. Première victoire de Marie-Claude, 15-11. Nous avons pour terminer cet ensemble multimédia composé d'un ordinateur, une tablette, un smartphone que je vous propose de gagner et vous n'avez que quelques minutes pour jouer. En natation, combien de couloirs un bassin
olympique comporte-t-il ? 30 couloirs, réponse 1. 8 couloirs, réponse 2. 32-43, tout de suite, 32-43. Par SMS, vous envoyez la réponse 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Marie-Claude, vous venez de gagner votre première, remporter votre première victoire. Et donc, 500 euros. On s'arrête là ou bien on peut continuer, on tente une deuxième victoire, 1000 euros. Cagnotte à 60 200 euros. Vous êtes à 4 marches d'une très belle somme. Et la décision vous appartient, Marie-Claude. 5 secondes. À demain. Demain, mercredi, 18h. Marie-Claude. Alors, Julien, je m'amuse bien, donc je reviens. Bien sûr. Question pour Hugues. Championne. Bonne soirée à tous. À demain. Merci. Au revoir. À demain. Allez, je vous serre là-bas.